Alors, Stéphane Bigot, un mois d'abonnement à First Round Périgueux. Alors, 207, Cédric Capelier qui est l'inter. Allez, plus que quelques mètres avant le sourire, on l'aide à en terminer. Ce sera fait, tu peux relâcher l'effort. Émilie Audrey. Je vais essayer de récupérer, on se verra tout à l'heure pour la remise des récompenses, bien sûr. Donc voilà, on va pouvoir aller se remettre ses efforts. Donc, 200 numéro 230. On va retrouver ici Jean Vial. Avec le dossier numéro 241, donc où l'on retrouve Loïc de Poutre, ici 29e. Allez, une belle performance pour Dominique Sabat et le Redoc, donc 12e. Gaëtan Mangeau, on termine senior dans ce 30. On va retrouver ensuite un concurrent du 23 ici. À la 30e place. Le sort numéro 317, c'est bien Fabrice Courtemanche qui a terminé. Et pas pour le sort numéro 203, bravo à toi, donc à l'UX. C'est ma deuxième course. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le parcours est difficile? Oui, il est très difficile. Mais franchement, c'est que du régal. Hein. Un régal? Ouais, c'est génial. Je suis de Marmande. C'est relativement plat et c'est vrai que là, ça change. Voilà, mais franchement, c'est génial, ouais. Ça s'est bien passé, pas de blessure, rien? Non, non, ça motive à continuer. Oui, alors, voilà. Mais bon, pour récupérer bien. Oui, ça oui. Merci beaucoup. Sociétaire de l'OS Trélissac, Anna Papelan. C'est un projet qui est une réussite. On enchaîne le débat avec le Scratch Messieurs. Scratch Messieurs du 10 km à la troisième place, Cyril Dessart. Cyril Dessart, 49,07. Cyril, s'il te plaît, Cyril Dessart, 3e. Le 2e, Albin Manière, 47,06. Albin Manière, et enfin vainqueur, Fabrice Sagetta. Je rappelle le scratch, messieurs. Entre le 2e et 3e, Albin Manière, 2e, Albin Manière, 2e. Cyril Dessart, 3e. Voilà, Julien le 3e. Et du moins, c'est Albin Manière. Allez. Alors, du moins, Cyril Dessart. Le 2e. 3e, Cyril Dessart. Catégorie dame, junior dame, junior dame, junior dame, 10 km, junior dame, 10 km, Océane Delahaye, senior dame, Océane Delahaye, senior dame, senior dame, Océane Delahaye. On enchaîne avec Clémentine Dudac. Master 0. Clémentine Villac. Céline Badelski, Master 1, fille. Céline Badelski. Catégorie M2. Géraldine Champreau. Toute surprise. Elle photographie sa copine, sur le podium, c'est sa copine qui va prendre le téléphone maintenant. On va enchaîner ensuite avec la catégorie M3, belle, Flo, qui doit être par là. Donc voilà les catégories dames de ce 10 km.
t'es arrivée combien ? Quatrième féminine et du coup première dans ma catégorie. Oh, bravo. Donc c'est quoi votre catégorie ? Senior. Senior. Est-ce que le parcours s'est bien passé ? Franchement oui, après c'était très roulant. Au début il y avait un gros raidillon, ça c'était trop bien. Et après il y a eu pas mal de routes quand même et pas mal de descentes. Mais franchement c'était pas mal, belle course. Terrain un peu plus vieux, genre ce matin un peu plus vieux, le terrain un peu glissant, non ? Ouais, le départ c'était clairement comme des crosses. Hein. C'était une grosse descente et une grosse montée bien dans la boue, mais en vrai c'est pas mal non plus. Donc ça fait quoi d'arriver aujourd'hui quatrième ? C'est une belle arrivée. Ouais, bah en vrai ça va. Après je cherchais pas non plus à faire une grosse performance sur cette course-là. C'était une course de préparation pour d'autres courses derrière, donc voilà, c'était tranquille. D'accord. Prochaine course, vous en faites beaucoup dans l'année ? Oui, mais je fais du trail, non, moi. Je m'aligne pas trop sur les formats courts. Après, là, la prochaine, du coup, c'est qualification pour les championnats de France de trail long. Ah, oui. Et après, y a la Saint-Aignan qui va arriver. Bravo à vous, en tout cas. Vous venez de loin ? Non, juste à côté, Saint-Amand-de-Colly. Merci. Merci beaucoup. Et bien, la plus belle performance de Guillaume Trial. Guillaume Trial pour la catégorie espoir. Guillaume, tu te mets. Catégorie senior, Parancholé, du CABG Triathlon. Et oui, il y a l'esprit de Triathlon pour partir à la condition de les concurrents nous rejoignent. Merci à Parancholé, le Triathlon de BP, catégorie M0, François Latour. À 1h35, j'ai jamais fait. C'est pour ça que ça m'aurait coulé.
C'est pour ça que je suis là, en bonne santé aujourd'hui. Mais bravo à celui qui a reconnu cette performance. Il en a dans les mollets. C'est vrai qu'il ne pèse pas lourd, mais évidemment. Bravo! Vous avez trouvé ses rapiers et belles communes. Ouais. Non, on commencera par les dames, alors plus haut. Alors, Master Zero Dame, catégorie M4, la caméra de flag de Chantal ici, Valérie Guy. Me manque, elle nous a rejoint, Cécile fait le peu, elle est là, je ne voyais pas. Merci Cécile, sous vos applaudissements donc, rapprochez-vous pour les photos. Allez, encore une photo, et on vous libère, et on enchaînera avec les catégories messieurs. M2, Vassilio, Potosso, s'il te plaît, Vassiliano, il est là. Catégorie M3, Jérôme Lagarde. Jérôme Lagarde. Thierry Bonhomme. Thierry Bonhomme, Thierry Bonhomme. J'avais passé deux ans sans le voir. Longtemps organisateur de l'épreuve de Cornillac une année à Isorac la Ville. Et le Bergerac. Allez, sous vos applaudissements et derrière toi, les catégories messieurs de ces 23 km. Non, je ne dirai rien, madame, je ne sais pas. Allez, merci encore à toutes et à tous et à très bientôt sur une prochaine épreuve. Merci. Pas zéro. Et là, il est bien là. Et Greg Merlet, le vainqueur, sont là. On peut enchaîner avec le scratch, messieurs, 34 km. Nicolas Ducou est troisième. Nicolas Ducou vient du Running Club Ussac Corrèze. Bravo, il est plus un voisin. Hein. Donc ici, voilà, il y avait pas d'autre course. Nicolas Ducou, troisième. Voyons Pérou. Florian Pérou est là. Philippe Raquel. Thierry, s'il te plaît. Chaque week-end, il est sur une course. Chaque week-end, il est sur un podium. Et ce, depuis de longues années. Mais je suis sûr. Thierry Raquel. Jean-Luc Lebrun est arrivé pour la catégorie M6, M7, et il n'était pas là tout à l'heure. Non, pas encore. Bon, ben voilà. Alors, Stéphane, s'il te plaît, Gaël, est-ce qu'on a des dates? Ces manifestations, certes, à Saint-Ravier, seront très importantes, mais c'est sur l'ensemble du territoire que Julien et son équipe aujourd'hui animent notre communauté de communes qui, avec plaisir, se joint à ces manifestations. Donc, bravo à l'organisation et qui continue. Voilà, merci Francis Bourin, Bernard-Lardin de la commune voisine. Donc, voilà, et bien, vous parliez lors de notre rendez-vous, je crois que c'était au Trail de Pérignac que vous inscrirez à une course au calendrier en 2024 au Lardin. J'ai vu que c'était fait. Eh oui, effectivement, c'est fait. Donc, on remercie bien toute son équipe. Donc, je vous donne rendez-vous le 21 décembre 2024 pour Lardin pour le Trail du Calendrier. S'il vous plaît, je demande à Sarah Caillard. Sarah Caillard de bien vouloir me rejoindre. Sarah, s'il te plaît. Deuxième, s'il te plaît. Et enfin, la troisième place.
à peine arrivé, déjà récompensé. Troisième, Ariel Pichot, la société arbustelisante Périgord pourpre. Voilà, podium authentique à Saint-Rabier, n'est-ce pas? Voilà, allez, je vous promets, cette fois, de remettre ses récompenses. Trois charmantes de dames, regardez, elles ont déjà récupéré, à peine marqué par ses efforts. Bravo à toutes les trois. On applaudit très fort. Donc, ces dames ici, Sarah Caillard du Brive Limousin Triathlon. Vous étiez cinq dames triathlètes de Brive. Bravo à vous. Donc, deuxième, Séverine Gibault du Redoc 24. Donc, on connaît bien cette organisation. Ils organisent notamment chaque année la Nocturne du Bifera, la première course de l'année à Saint-Astier. Et enfin, troisième, Ariel Pichon, la bergeracoise, sociétaire du Spéridon Périgord pourpre, que j'ai l'occasion de voir aussi là-bas quand je vais à Bergeracois. Et le Spéridon pourpre parcourt Dordogne-Chambrienne avec les gars, avec les filles. Sous l'applaudissement, le scratch d'âme de ce difficile 34 km ici. Mesdemoiselles, mesdames, merci beaucoup. Il nous restera des catégories de pour le moment dans la parole.